Salut à tous! Parfois, lorsqu'un archéologue trouve un artefact, il peut discerner immédiatement l'histoire et la signification de l'artefact. D'autres fois, il ne peut pas en percer le mystère, peu importe ses efforts. Nous avons récemment vu émerger de grandes énigmes archéologiques et historiques, alors nous les avons rassemblées pour vous dans cette vidéo. C'est parti! Secret au large de Ponza. Vous pouvez trouver des ruines et des reliques romaines anciennes partout sur le continent italien. Mais vous pouvez également les trouver au fond de la mer, au large des côtes du pays. En septembre 2022, une équipe de plongeurs de la station navale de Civitavecchia est entrée dans l'eau au large de Ponza et a découvert les vestiges d'une structure romaine ancienne encore inconnue. Nous savons que Ponza était une importante ville portuaire et colonie romaine, construite spécialement pour fournir une plateforme à partir de laquelle les premiers Romains pouvaient contrôler la mer tyrrhénienne. Plus tard, elle est devenue un lieu d'exil. Néron César y a été envoyé en disgrâce, tout comme Julia Livilla et Agrippine la Jeune. Plus tard encore, à l'époque de l'Empire, une série de piscines et de grottes taillées dans la roche ont été créées sur l'île à l'ouest d'une grande villa censée avoir été construite pour Auguste César. On pense que la structure dans l'eau est liée à cette villa. Les plongeurs ont trouvé plusieurs dalles architecturales décorées d'un motif connu sous le nom de la femme fleur, qui apparaît dans de nombreux arts romains du 1er et du 2e siècle. Il est plus probable que ces dalles se soient retrouvées dans l'eau à cause de l'érosion. Grotte funéraire. Beaucoup des découvertes archéologiques en Israël sont faites par l'autorité des antiquités d'Israël, mais parfois elles reçoivent une aide imprévue. Occasionnellement, cette aide vient par accident. En septembre 2022, une pelleteuse a accidentellement percé une grotte funéraire jusqu'alors inconnue dans le parc national de la plage de Palmaïm. La grotte était intacte depuis plus de 3300 ans, et son contenu est si bien préservé qu'il ressemble presque à une gigantesque capsule temporelle. Toute la grotte est remplie d'objets utiles que les gens de l'époque croyaient pouvoir aider les défunts dans l'au-delà, y compris des récipients en céramique entièrement intacts et des artefacts en bronze comme des calices sur pied. Certains des jars et des bols ne sont pas locaux, et ont peut-être été importés de la côte libanaise ou par les ports de Sidon et Tyr. À l'époque où la tombe a été scellée, Canaan était contrôlée par l'ancien empire égyptien sous le règne de Ramsès II. Il y a deux ensembles de restes humains dans la grotte, tous deux enterrés dans des parcelles rectangulaires dans un coin. Nous ne connaîtrons jamais les identités des personnes enterrées ici, mais il semble qu'elles étaient tenues en haute estime. La plus ancienne inscription en Mongolie. Maintenant, nous avons une découverte très significative en provenance de Mongolie. C'est la plus ancienne inscription comportant le mot « turc » et elle est liée à Ilterich Kagan, le fondateur du deuxième Kaganat turc. La découverte a été faite dans la province d'Arkhangai. Les scientifiques et historiens qui ont travaillé ensemble sur le site disent que c'est là qu'Ilterich Kagan rassemblait les tribus turques et les habillait conjointement. Les sceaux de toutes les tribus ont été trouvés gravés sur des pierres à proximité, ainsi que des figures et des statues de princes turcs. L'ensemble du complexe a été une découverte surprise, faite alors que les archéologues examinaient un cairn en juillet 2022. L'inscription de la plus haute importance est écrite à la fois en langue turque et sogdienne et n'a pas encore été entièrement traduite, mais les experts ont pu identifier les mots turc, Tanri signifiant Dieu, Tutluk signifiant Kaganat et Tumen signifiant division. Le deuxième Kaganat turc a été fondé en 682, donc cette découverte repousse encore plus loin dans le temps l'histoire écrite des Turcs. Le Kaganat, qui a succédé au premier Kaganat turc oriental de 552, a finalement été remplacé par le Kaganat ouïghour. Anneau de commerce jésuite. Des archéologues dans l'ouest du Michigan aux États-Unis ont récemment fouillé le Fort Saint-Joseph dans la ville de Niles. Ils n'étaient pas tout à fait sûrs de ce qu'ils allaient trouver en commençant à fouiller l'ancien fort, mais aucun d'eux ne s'attendait à voir ce petit mais significatif anneau de commerce jésuite. Le terrain sur lequel est construit le Fort Saint-Joseph a été formellement accordé aux jésuites par ordre du roi de France Louis XIV dans les années 1680, après quoi les colons français ont construit le fort en 1691. C'était initialement un poste de traite, faisant partie de la chaîne de commerce de fourrure au point le plus méridional du lac Michigan. Les soldats britanniques sont venus et ont pris le fort par la force après leur victoire sur le front nord-américain de la guerre de 7 ans, et l'ont conservé jusqu'à la signature du traité de Jay en 1795. Le fort a été abandonné puis oublié jusqu'à sa redécouverte en 1998. Cet anneau de commerce, fabriqué en alliage de cuivre et comportant une biseau en forme de cœur sur sa bande, est presque certainement français plutôt que britannique. Il est probablement un vestige des premiers jours du fort, ignoré jusqu'à présent non seulement par tous les archéologues qui sont venus ici depuis 1998, mais aussi par les Britanniques qui ont tenu le fort pendant plus d'un siècle.
Jeux anciens révélés. Le parc national de Maresha Bet Guvrin, dans la Shefela de Judée, en Israël, est une zone déjà bien connue des archéologues. Il est devenu encore plus célèbre en août 2022 lorsqu'un ensemble de pièces de jeu fabriquées à partir d'os de chèvre et de mouton a été trouvé sur le site. Les experts ont pu identifier les pièces de jeu comme appartenant à un jeu ancien, connu sous le nom d'astragalois ou astragalomancie, qui était pratiqué par les Grecs et les Romains dans l'Antiquité. Certains historiens pensent que les Romains l'ont peut-être adopté des Étrusques, mais il n'y a pas suffisamment de preuves fiables pour soutenir cette idée. Personne ne sait exactement quand le jeu a été inventé, mais ces pièces, connues sous le nom d'os d'oracle, ont été sculptées il y a 2300 ans. Certaines d'entre elles portent des inscriptions et des effigies de divinités grecques, comme Aphrodite, Hermès et Eros. Les inscriptions offrent quelques indices sur le fonctionnement des phases du jeu, car la plupart d'entre elles sont des mots courts comme arrêt, voleur et tuer brûlé. On croit généralement qu'Astragalois était un jeu de divination, mais les règles précises du jeu sont un secret perdu dans le temps. Sépulture de vampires. Nous, au 21e siècle, savons que les vampires ne sont pas réels, mais les gens du 18e siècle n'en étaient pas si sûrs. Il y a une preuve de cela dans une tombe qui a été récemment découverte et ouverte à Bydgoszcz en Pologne. Lorsqu'ils ont ouvert la tombe début septembre 2022, des archéologues de l'université Nicolas Copernic de Torin ont trouvé les restes d'une femme enterrée avec une faucille autour du cou. Après avoir consulté des experts, ils ont découvert que c'était une méthode employée dans l'enterrement de suspects vampires, et ont pensé que la faucille empêcherait la femme de se lever d'entre les morts et d'attaquer les vivants. Bien que ces Polonais du XVIIIe siècle n'auraient pas cru aux vampires tels que décrits par Bram Stoker, la croyance en des créatures semblables aux vampires remonte à des milliers d'années et est mentionnée dans les textes des Babyloniens, des Assyriens et des Akkadiens. Dans le cas de cette femme, elle avait des dents de devant proéminentes, et cela seul aurait pu suffire aux gens superstitieux de son époque pour la qualifier de sorcière. On pensait que les sorcières pouvaient se relever d'entre les morts en tant que vampires, d'où la faucille. Malgré cela, elle a été enterrée avec un bonnet en soie sur la tête, ce qui signifie qu'elle était de statut social relativement élevé. Secret de Nocetovaska Votiva. Les archéologues ont finalement résolu le mystère de la Nocetovaska Votiva en juin 2021 après des années d'enquête. En 2005, un étrange monument souterrain a été découvert dans la vallée du Pô en Italie. Il a été identifié comme un réservoir d'eau en bois, ou peut-être un bain communautaire, mais c'est tout ce que les archéologues pouvaient avancer à l'époque. Plus d'indices ont été révélés grâce à une récente avancée dans la datation au radiocarbone, y compris la révélation que la structure a 3400 ans. Des techniques de balayage non invasives ont confirmé la présence d'un bâtiment presque identique enterré précisément sous la Nocetovaska Votiva lors d'une seconde investigation du sol. Il y a beaucoup plus de choses cachées ici. Les scans et les fouilles subséquentes ont révélé une grande quantité de céramiques et de figurines, toutes délibérément enterrées. Sur la base de tout cela, il semble maintenant très probable que cet endroit abritait autrefois un culte de l'eau, avec le bain ou le réservoir servant de point focal de leur activité rituelle. Étant donné qu'ils ont construit une nouvelle structure directement au-dessus de l'ancienne, il est possible qu'ils soient arrivés ici bien avant 3400 ans. Pierre runique de Ruk. La plupart des pierres runiques vikings sont des mémoriaux. Celle-ci, cependant, est un peu plus alarmante. Les experts ont mis plusieurs années à déchiffrer cette dalle vieille de 1220 ans. Mais lorsqu'ils ont finalement terminé le travail à la mi-2020, ils ont réalisé qu'elle contenait un avertissement de l'histoire. Plus précisément, les inscriptions sur la pierre runique prédisent la fin du monde. Cette dalle est connue sous le nom de pierre runique de Ruk et est probablement la plus célèbre de toutes les pierres runiques vikings au monde. Elle est également considérée comme la plus ancienne écriture ancienne survivante en Suède. La dalle de 2,5 mètres de haut comporte 28 lignes de runes, mais les opinions historiques sur la correcte interprétation du texte ont varié au fil du temps. La plupart des gens s'accordent à dire qu'elle a été écrite par Varin, un chef viking, et honore son fils décédé, Vamot, mais elle contient également plusieurs références à une bataille qui aurait été menée pendant des siècles. La traduction la plus récente propose qu'il s'agit d'une bataille contre le climat et l'environnement, faisant probablement référence à une catastrophe climatique localisée au 6e siècle qui a réduit la population de la Suède de 50%. La mythologie nordique dit que la venue de Ragnarok sera marquée par un grand hiver et que l'arrivée de Ragnarok entraînera la fin du monde. L'auteur de ce texte croyait que Ragnarok était encore à venir et pourrait être là bientôt. Cercueil de Liuhe.
Le cercueil ouvert par des scientifiques à Nanchang en Chine en avril 2015 appartenait-il à Liu He, le légendaire marquis de Haihun ? Plus de 4 ans plus tard, les experts ne sont toujours pas sûrs, mais ils l'espèrent certainement. Le cercueil a été trouvé à l'intérieur d'une tombe vieille de 2000 ans que les archéologues sont presque certains d'avoir été construite pour le marquis. Liu He est une figure remarquable et controversée de l'histoire ancienne de la Chine, ayant été déposé de son poste d'empereur après seulement 27 jours dans ce rôle, mais revenant ensuite en faveur en étant nommé marquis. Les lettres chinoises à l'intérieur du cercueil épellent le nom de Liu He, tout comme les inscriptions sur plusieurs pièces de monnaie et un sceau trouvé ailleurs dans la tombe. La seule chose que les experts n'ont pas encore pu vérifier est l'identité de la personne à l'intérieur du cercueil. Mais compte tenu de la multitude de preuves ailleurs, y compris une série de lingots d'or en forme de sabots, il serait remarquable qu'il s'agisse de quelqu'un d'autre. L'histoire ne mentionne pas la raison de la mort de Liu He, ce qui est surprenant quand on considère le fait qu'il était non seulement un ancien empereur, mais aussi le petit-fils de l'empereur Wu. Peut-être qu'une étude plus approfondie des restes de l'occupant du cercueil pourrait éclairer cette question. Arbre Boab. Les arbres Boab sont originaires d'Australie, ce qui explique en partie pourquoi ils ont toujours été si importants pour les peuples autochtones d'Australie. Ils existent dans certains des terrains les plus rudes de la Terre, mais ils présentent également certaines des œuvres d'art les plus anciennes du pays. Les sculptures sur les arbres Boab dans le désert de Tanami, qui sépare l'Australie occidentale du territoire du Nord, racontent l'histoire folklorique du serpent roi brun connu sous le nom de Linka. Les sculptures ont plusieurs centaines d'années, n'ont jamais été copiées ou enregistrées ailleurs et sont gravées dans des arbres qui meurent. Cela rend les tentatives actuellement faites pour les préserver d'autant plus importantes. Les arbres Boab sont faits de bois tendre et fibreux. Lorsqu'ils meurent, ils s'effondrent simplement et ainsi l'art sera perdu. Les histoires racontées sur ces arbres sont les histoires des Premières Nations australiennes et ce sont des histoires qui n'existent sous aucun autre format. Si elles sont perdues, une partie irremplaçable de l'histoire australienne sera également perdue. Cela semble être une raison assez convaincante pour s'assurer que le travail soit effectué rapidement. Empreinte ancienne. Les plages de Merseyside en Angleterre ne sont pas les plus populaires du pays, mais des milliers de personnes y marchent chaque année. On aurait pu penser qu'à un moment donné, au cours des dernières centaines d'années, un archéologue de passage aurait pu repérer des empreintes anciennes imprimées sur la roche là-bas. Mais elles sont restées inaperçues jusqu'au début d'octobre 2022. Il y a des centaines de nouvelles empreintes découvertes sur la plage de Formby, laissées par des personnes qui y ont marché il y a entre 6000 et 9000 ans. En plus des empreintes humaines, les experts ont identifié des empreintes laissées par des animaux, y compris des sangliers, des castors, des chevreuils, des cerfs rouges et des aurochs, dans certains cas suivis par des prédateurs comme des lynx et des loups. Ces découvertes montrent qu'une zone proche du rivage moderne de Merseyside était un centre d'activité humaine à la fin de la dernière période glaciaire, et était aussi un riche écosystème grouillant de grands animaux. Il y avait tellement de biodiversité ici que c'était presque comme un Serengeti dans le nord-ouest de l'Angleterre. Où sont passés les animaux ? Peut-être que leur disparition est due à une combinaison de l'élévation du niveau de la mer et de la réduction de l'habitat. Ou peut-être qu'ils n'aimaient tout simplement pas les scousers. Sanctuaire du faucon de Bérénice. Les anciens Égyptiens étaient un peuple si mystérieux que nous ne pourrons probablement jamais démêler tous leurs secrets. Leurs rituels et cérémonies sont une énigme pour nous, et cette énigme s'est approfondie avec la découverte du soi-disant sanctuaire du faucon en octobre 2022. Le sanctuaire inhabituel, qui représente des rituels et pratiques anciennes jusqu'alors inconnues, a été découvert lors de fouilles archéologiques planifiées à Bérénice. C'était autrefois un port gréco-romain florissant, rempli de commerçants, également connu sous le nom de Bérénice et Bérénice troglodytique. Les preuves archéologiques suggèrent que le sanctuaire a été créé entre le 4e et le 6e siècle, période pendant laquelle la ville était partiellement contrôlée par une culture nomade du désert oriental appelée les Blémis. Les harpons et les statues en forme de cube vus sur le sanctuaire sont des offrandes spécifiques aux Blémis et à leurs croyances. Le sanctuaire du faucon porte ce nom en raison des 15 faucons qui y ont été trouvés enterrés, tous accompagnés de leurs œufs. Pour rendre les choses encore plus étranges, il y a une inscription qui dit « Il est interdit de faire bouillir une tête ici ». Nous devons présumer qu'il s'agit d'une référence aux têtes d'animaux, car l'alternative est macabre. Portail de Joutian. Dans un coin reculé de la Chine, des archéologues ont récemment découvert une trouvaille qui promet de changer notre compréhension de l'histoire ancienne. Parmi les falaises escarpées de la province du Yunnan, une grotte cachée a été révélée, contenant ce qui semble être un complexe intriqué de passages et de chambres sculptées directement dans la roche.
À l'intérieur de ce labyrinthe de pierre se trouve ce qui est maintenant connu sous le nom de portail de Zhutian, une structure circulaire colossale ornée de symboles et de sculptures énigmatiques. Des études préliminaires suggèrent que le portail date de plus de 2000 ans, mais son but reste un mystère. Certains spécialistes spéculent qu'il pourrait s'agir d'un centre cérémoniel, tandis que d'autres croient qu'il s'agissait d'une entrée vers une ville souterraine encore non découverte. L'expédition vers le portail de Zhutian est dirigée par le professeur Li Wei de l'université de Pékin, qui a décrit la découverte comme l'une des plus grandes énigmes archéologiques du siècle. L'équipe a rencontré des défis significatifs pour accéder à la grotte, y compris des gorges abruptes et une végétation dense qui obstruait l'entrée. L'intérieur du portail est tout aussi impressionnant, avec des murs couverts de mousse et une lumière naturelle filtrant à travers les fissures dans la roche, illuminant l'espace d'une lueur éthérée. L'atmosphère à l'intérieur de la chambre principale est presque surréaliste, évoquant une sensation de révérence et de mystère. Alors que les chercheurs continuent à déchiffrer les secrets du portail de Zhutian, la découverte a déjà attiré l'attention d'historiens, d'archéologues et de curieux du monde entier. Qui sait quelles autres merveilles et secrets anciens seront révélés dans les profondeurs de ces mystérieuses grottes chinoises ? Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ce sujet mystérieux. Faites-nous le savoir dans les commentaires. Chapelet ancien. Juste au large de la côte est du Northumberland, dans les îles britanniques, se trouve une petite île connue sous le nom de Lindisfarne. Elle est occupée depuis des milliers d'années et a été le site de certaines des découvertes les plus remarquables de l'histoire archéologique britannique. En juin 2022, Lindisfarne a de nouveau fait sensation lorsqu'une équipe a trouvé le plus ancien exemple de chapelet médiéval jamais découvert dans les îles britanniques. Les petites perles sont faites d'arêtes de poisson, spécifiquement des arêtes de saumon. Lindisfarne est aussi connu sous le nom de Holy Island, en raison du fait qu'il y avait autrefois un grand monastère sur l'île, et que l'accès à l'île était interdit à quiconque n'était pas prêtre ou autrement associé au monastère. La personne avec laquelle le chapelet a été trouvé enterré était presque certainement un prêtre ou un moine, et avant sa découverte, il avait reposé sans être dérangé pendant environ 1200 ans. Les perles ont été trouvées autour de son cou, suggérant qu'elles avaient été portées en collier. Il y a un trou naturel au milieu des arêtes de saumon, car ce sont toutes des vertèbres, mais il semble que les trous aient été élargis artificiellement pour les rendre plus faciles à enfiler. Pourquoi les arêtes de saumon ont été choisies parmi tous les autres matériaux disponibles pour les habitants de l'île est inconnu. Sculpture ancienne en bois. Le site ancien de Shanshan au Pérou nous a déjà donné tant de merveilleux artefacts archéologiques, y compris ce qui pourrait être le premier téléphone du monde, mais en juillet 2022, les chercheurs sur le site ont encore fait une découverte en or lorsqu'ils ont trouvé une belle sculpture ancienne en bois. C'était autrefois la capitale de l'ancien royaume Shimu, qui est apparu pour la première fois au 9e siècle après la disparition de la culture Moshe. Shanshan est devenue l'une des plus grandes villes précolombiennes d'Amérique du Sud. Bien que personne ne le sache avec certitude, son nom est censé dériver du mot Qingnam pour soleil, donc Shanshan signifie soleil, soleil. Cette petite, mais incroyablement bien préservée sculpture mesure seulement 43 cm de long, avec un visage ovale rouge plat et des yeux en forme d'amande, qui étaient peut-être autrefois recouverts de plaques faites de nacre. Les experts pensent que c'est une relique Shimu ancienne et qu'elle pourrait avoir plus de 1000 ans. Son objectif est inconnu. Cela pourrait être n'importe quoi, d'une offrande votive ou un objet rituel à une sculpture faite par un amateur basé à Shanshan démontrant ses compétences. Gâteau de la dynastie Tang. Il y a beaucoup d'expositions étranges et merveilleuses dans le musée du Xinjiang dans la région de Xinjiang Ouïghour en Chine, mais peut-être aucune n'est aussi étrange que son gâteau vieux de 1000 ans. Si un gâteau devait être fait de la même manière aujourd'hui, il serait appelé un gâteau de lune chinois traditionnel. Mais le terme n'est pas censé avoir existé à l'époque où celui-ci a été fait. Il est couvert de décorations et de motifs typiques de l'ère de la dynastie Tang dont il provient, et suggère une continuité de la compétence et de la tradition culinaire chinoise qui existe encore aujourd'hui. Le gâteau a été trouvé il y a 50 ans à l'intérieur du regroupement de tombes d'Astana. Il est assez petit pour tenir dans la paume de votre main et a survécu aussi longtemps uniquement en raison des conditions extrêmement sèches dans les profondeurs des tombes. Il est fait de farine de blé avec son design ajouté par un moule. Des motifs floraux similaires ont été vus sur des artefacts de la région des plaines centrales créés à la même époque, suggérant une connexion culturelle s'étendant sur de nombreux kilomètres. La recette précise est inconnue car le gâteau est dans un état si délicat que même tenter d'en retirer un petit morceau pour l'analyser endommagerait le gâteau au-delà de toute réparation. Statue en bronze et mystère.
Le site de Saqqara, qui est une vaste nécropole en Égypte, est une zone archéologique si riche que les fouilles y seront encore en cours dans 100 ans. Nous avons eu un résumé récent des artefacts incroyables récupérés à Saqqara en mai 2022, lorsqu'une équipe de la mission archéologique de Saqqara a confirmé la récupération d'un grand cache de statues en bronze accompagné de sarcophages. Plus de 150 statues ont été récupérées dans le cadre de la prise, y compris des représentations de figures comme Anubis, Bastet, Amon-Min, Hathor et Isis. Elles ont toutes été enterrées ensemble dans un seul dépôt, avec des instruments de musique anciens utilisés dans des cérémonies religieuses dédiées au culte de Hathor. Toute la collection, qui comprend une paire de statues en bois de Nephthys et d'Isis, est censée avoir environ 3500 ans. L'artefact le plus inhabituel de la prise est un seul miroir en bronze d'un design qui n'a jamais été vu en Égypte auparavant. Il est très probable qu'il ait été importé de l'étranger par quelqu'un de riche. Mais s'il appartenait à quelqu'un de riche, pourquoi ont-ils fini par être enterrés dans une fosse à Saqqara plutôt que dans une tombe plus élaborée ? Le cercueil de la reine. En mai 2022, l'organisation National Museum Scotland a payé 1 800 000 livres pour acquérir un magnifique cercueil en argent. C'est un artefact stupéfiant et unique, mais le fait qu'il soit en argent n'est pas ce qui a persuadé l'organisation de payer autant pour lui. Leur motivation pour l'acquérir est que le cercueil aurait appartenu à Mary, reine d'Écosse. Les historiens pensent qu'elle l'utilisait comme cachette pour sa correspondance scandaleuse avec le comte de Bothwell. La relation entre la reine et le comte est finalement devenue le prétexte pour l'abdication forcée de Mary du trône en 1567, après quoi elle a été emprisonnée. Le fait que le cercueil existe encore est remarquable. Il a été fabriqué à Paris à la fin du XVe siècle, ce qui en fait l'un des rares exemples survivants de l'orfèvrerie française de la Renaissance. La plupart des artefacts comme celui-ci ont été fondus et vendus au XVIIe siècle sur ordre du roi Louis XIV, afin qu'il puisse financer ses guerres sans fin. Les lettres qui étaient supposément à l'intérieur de ce cercueil détaillaient une liaison illicite entre la reine et le comte et faisaient référence à une conspiration pour tuer Lord Darnley, qui était le mari de la reine à l'époque. Mary a toujours insisté sur le fait que les lettres étaient des fausses, et son fils James VI les a fait détruire en 1584. Pièce d'or romaine. Nous aurions pu passer à côté d'une incroyable collection de pièces romaines anciennes s'il n'y avait pas eu l'œil vif et la réflexion rapide de certains ouvriers du bâtiment italien. Le théâtre abandonné de Cressoni dans la ville de Côme était en train d'être démoli lorsqu'un ouvrier a repéré quelque chose d'or qui se cachait dans un coin du sous-sol. Il a éteint ses machines et est allé l'inspecter à la main, et c'est là qu'il a réalisé qu'il regardait une ancienne cruche. Les travaux de démolition avaient brisé le côté de la jarre, ce qui est dommage, mais les dégâts ont conduit les pièces d'or à se répandre sur le sol. Lorsque des experts ont été appelés et que la jarre a été entièrement excavée, elle contenait plus de 300 pièces estampillées de référence à Honorius, Antonio et Libio Severo, tous anciens empereurs romains, ce qui nous permet de dire que les pièces ont un minimum de 2500 ans. Il semble que quelqu'un les ait délibérément cachées derrière un mur du sous-sol, mais ne soit jamais revenu les récupérer. Leur perte est maintenant le gain de l'archéologie. Bague en or. Prenons un moment pour découvrir une découverte inattendue de l'ère viking. Il s'agit d'une bague en or massif qui avait été confondue avec un bijou de pacotille jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte en juillet 2022. La bague a été achetée dans le cadre d'une boîte de bijoux lors d'une vente aux enchères en ligne par Mary Ingelin Eskestad de Norvège, qui connaît un ou deux trucs sur l'histoire et a rapidement réalisé que l'une des bagues de la boîte était différente de toutes les autres. Elle est lourde, polie et manifestement faite en or véritable. Les bijoux étaient portés comme symbole de statut dans la société viking. D'après la taille et le poids de cette bague, il est probable qu'elle ait été portée par un homme important, peut-être même un chef viking. Les bijoux en argent étaient plus courants que les bijoux en or, même parmi les vikings aisés, car l'or était relativement rare, donc très peu de gens en portaient, et ceux qui le faisaient ne le faisaient que lors d'occasions spéciales. Malheureusement, le fait que la bague ait fini dans une boîte de bijoux bon marché signifie que nous ne pourrons jamais savoir d'où elle vient. Sans cette information, il est difficile de dire quel âge elle a. Trousse pour tuer les vampires. Vous n'avez pas besoin de vous appeler Buffy pour être un tueur de vampires. Tout ce dont vous avez besoin est cette trousse pour tuer les vampires du 19e siècle, qui appartenait autrefois à Lord William Malcolm Hayley. Les outils spécialisés de l'aristocrate britannique ont été vendus aux enchères début juillet 2022. L'article inhabituel s'est finalement vendu pour un peu moins de 16 000 livres, soit plus de 3 fois son prix estimé.
Bien que la croyance en les vampires soit courante dans les îles britanniques au XVIIe et XVIIIe siècle, cette croyance avait diminué au XIXe siècle. Personne ne sait vraiment pourquoi Lord Hailey, qui était autrefois l'administrateur de l'Inde britannique et a vécu de 1872 à 1969, a ressenti le besoin d'avoir une telle trousse à sa disposition pendant sa vie. La trousse pour tuer les vampires comprend un ensemble de crucifix, un pieu en bois et un maillet, des chandeliers en laiton, une fiole à poudre en laiton, des perles de chapelet, une bible gothique et une fiole d'eau prétendument bénite. Tout ce qui manque, ce sont quelques gousses d'ail. Il n'est pas clair si Lord Hailey considérait la trousse comme une curiosité ou un outil vital pour l'autodéfense, mais il est probable que le nouveau propriétaire de la trousse la voit dans la première catégorie. La redécouverte de Natunia. Combien de fois avez-vous passé un âge à chercher quelque chose pour découvrir qu'il est juste sous votre nez depuis tout ce temps ? Nous connaissons quelques archéologues au Kurdistan irakien qui ont vécu cela en juillet 2022. Ils ont excavé une forteresse de montagne sur le site de Rabana Merkli. L'existence de la forteresse est connue depuis un certain temps, mais c'est la première enquête archéologique formelle à avoir lieu là-bas. Après quelques semaines de fouilles, ils pensent maintenant que Rabana Merkli pourrait en fait être la ville perdue de Natunia. La ville était également connue sous le nom de Natunissa Rokerta, et jusqu'à présent, la seule preuve de son existence était le fait que son nom est imprimé sur un petit nombre de pièces de monnaie frappées dans la région il y a 2100 ans. Natunia a probablement été nommée en l'honneur de Natunissar, le fondateur de la dynastie royale d'Adiabene. Les archéologues ont trouvé un relief sculpté dans une falaise sur le site qui correspond aux représentations classiques de Natunissar en termes de taille, d'apparence et de tenue vestimentaire. Cela ne constitue pas une preuve concluante que c'est la ville qui l'a nommée, mais la présence de ce qui semble être des casernes et un complexe religieux dédié à la déesse zoroastrienne Anahita renforce l'hypothèse. Tombe unique de Wahibr Merinait. Notre prochaine découverte vient de juillet 2022 lorsque des archéologues ont déterré la tombe d'un commandant égyptien qui a été inhumé il y a 2600 ans. La tombe a été décrite comme unique, même selon les normes égyptiennes, et a été trouvée par une équipe d'archéologues tchèques près du plateau de Gizeh. La tombe contient une inscription, donc nous connaissons le nom du commandant. Il s'appelait Wahibr Merinait. Ce qui rend à la fois son rôle et sa tombe si unique, c'est que plutôt que de diriger des Égyptiens, il dirigeait des bataillons de mercenaires étrangers. Les historiens disent que c'est l'un des premiers actes de véritable mondialisme du monde ancien. La tombe est carrée et composée de deux niveaux, 6 mètres de profondeur et mesurant 13 mètres par 13 mètres. Même le sarcophage du commandant a une section intérieure et extérieure, avec la section extérieure en calcaire blanc et la section intérieure en basalte, sculptée en forme de corps humain. Malheureusement, il semble que la tombe ait été pillée il y a environ 1000 ans et que les restes momifiés du commandant aient été volés. Nous ne pouvons que deviner ce que les pilleurs de tombes voulaient avec un corps vieux de 1600 ans. Révélation du toit rouge. Faire une nouvelle découverte à l'intérieur d'une ancienne est une expérience rare pour les archéologues, mais cela arrive parfois. Voici un exemple. C'est une nouvelle information sur un monument ancien mondialement connu que nous pensions déjà bien comprendre. Selon une nouvelle étude publiée début juillet 2022, le toit du palais de Palenque était autrefois peint en rouge. Le palais, également connu sous le nom d'El Palacio, se trouve au centre de ce qui était autrefois une importante cité-état maya dans l'actuel sud du Mexique. Le palais est le plus grand des nombreuses ruines ici et aurait servi de cœur cérémoniel à la ville de Palenque. Il y a 12 pièces à l'intérieur, et dans l'une d'elles, une équipe de scientifiques a détecté une polychromie rouge. Le pigment est composé d'un mélange d'oxyde de fer et d'autres minéraux non identifiés. La pigmentation rouge semble avoir eu une valeur ou une signification symbolique pour les anciens Mayas, mais nous ne comprenons pas quelle pourrait être cette signification. Quoi qu'il en soit, cela signifie que le Grand Palais était autrefois beaucoup plus coloré qu'il ne l'est maintenant. Trésor romain du Dorset. La mosaïque de Hinton St. Mary est l'une des mosaïques romaines anciennes les plus célèbres du Royaume-Uni et a été découverte dans le Dorset en Angleterre en 1963. Étant donné sa renommée et le nombre d'études qui lui ont été consacrées, ce fut un grand choc pour tout le monde lorsqu'une deuxième mosaïque a été découverte sur le même site en juillet 2022. L'histoire romaine du site peut être retracée au début du IVe siècle, près de la fin de l'ère romaine du Royaume-Uni. La célèbre mosaïque couvrait autrefois les sols de deux pièces d'un bâtiment qui se trouvait sur le site et est censée représenter Jésus-Christ, bien que beaucoup pensent plutôt qu'elle représente l'empereur Constantin Ier. La nouvelle mosaïque a été trouvée à un peu plus de 30 mètres de la première et est un peu moins élaborée. Elle est composée de tesselles noires, rouges et blanches et a été endommagée par le labourage qui a eu lieu pendant plusieurs siècles. En même temps,
l'équipe responsable de la découverte a trouvé des briques cuites au four, des tuiles de toit, des os d'animaux, des bagues et des pièces de monnaie, tous datant du IVe siècle, ce qui suggère que ce bâtiment romain inconnu pourrait avoir été beaucoup plus grand que ce que l'on croyait dans les années 1960. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré ? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.